J'ai toujours eu le souci de mettre en avant ma région, qui est l'Avesnois, un beau territoire bien verdoyant. Je propose des sophos rando méditatives sur le bras mort de Leval. C'est un endroit assez protégé, privilégié. C'est le long de la Sambre, hein, là on la voit juste à nos pieds. Avec un embarquement avec Amélie de Sort, c'est l'île auprès de l'eau de Berlaymont qui nous attend souvent sur ce quai pour nous embarquer dans une petite aventure sur la Sambre. On a la chance d'être sur un territoire qui est très bucolique, donc on a vraiment un retour aux sources qui est important. Et généralement, les gens apprécient ce moment apaisant, ressourçant, hors du temps. On prend le temps de prendre le temps. Donc souvent, ce sont des petites randonnées. C'est vraiment la slow rando pour prendre le temps de marcher, d'apprécier le paysage, de regarder tout autour de soi, de contempler autour de soi. En ce moment, c'est prodigieux. La végétation est en éveil complètement et c'est extraordinaire. En plus, on se ressource sur un territoire de vie avec tout un tas d'histoires fabuleuses. Et une journée ne suffit pas. Il faudrait plusieurs semaines pour connaître certains aspects de ce beau territoire. La petite anecdote que je vais raconter, j'en raconte beaucoup au décours des sophorando. La petite anecdote, c'est moi je suis native de Fellery et mes parents partaient en vacances à Ramouzi, c'est-à-dire à 4 km. Et une fois, en retrouvant les photos, j'ai retrouvé une petite photo dont je ne devais même pas avoir 2 ans, à mon sens. Et ma mère avait marqué derrière la petite photo, avec sa belle petite écriture, « Dernières vacances à Ramouzi ». Ramouzi, c'est à 4 km de Fellery.